Alors les joueurs ce soir auront à se rattraper et restent sur une défaite face à Dunkerque. Oui, une défaite à la maison qui, je l'espère, ne nous coûtera pas trop cher au décompte final. Bon, néanmoins, on avait sauvé le goal à Vérage, c'était déjà quelque chose d'important. Bon, maintenant, il faut essayer d'engranger quelques victoires. Et si on pouvait commencer ce soir contre Perpignan, ça serait bien. Chartres démarre bien ce match. Dans les premières minutes de la rencontre, elles donnent le tempo et semblent maîtriser leur adversaire. 8 à 10 points, c'est l'écart qu'elles arrivent à creuser au milieu de premier carton. Mais Perpignan rentre enfin dans le match et peu à peu réduisent leur écart pour finir à la fin du premier carton à 3 points de la baie, 28 à 25. En deuxième carton, la partie semble s'équilibrer, les deux équipes se rendent coup pour coup avec un avantage tout de même tout léger pour les visiteuses. Le troisième carton sera celui de Perpignan qui ne lâcheront plus les rênes de cette rencontre portée par Elodie Bertal, une ancienne chartraine excellente ce soir qui d'ailleurs nous aura fait très mal. Alors que dans le quatrième quart-temps, Chartres a la possibilité de revenir, nous n'arriverons pas à marquer les points importants et multiplierons les fautes de passe. S'il y avait peut-être quelque chose à faire ce soir, la différence s'est faite dans la tête. Chartres s'incline 68 à 75. Alors coach, va falloir que la baie sorte de cette mauvaise passe, deux matchs, deux défaites d'affilée. Oui, mais bon, je crois que ce soir on peut être fier. Hein. On a joué une grande équipe de Perpignan, nous ne jouons pas dans la même cour, nous n'avons pas les mêmes moyens. Ce soir, il y avait quand même dans notre équipe 6 jeunes de moins de 23 ans. Bon, on paye pour apprendre, ça va être très difficile maintenant pour nous. On sait qu'on a un calendrier très défavorable. Notre prochaine victoire n'est peut-être pas tout de suite, parce qu'on a 3 déplacements, gros déplacements. Ça fait rien, on lâchera rien jusqu'au bout, on regrettera peut-être certains matchs qu'on a lâchés avant. Mais celui-là, on a tout donné. Oui, c'est ça, c'est peut-être un peu le manque d'expérience. Au quatrième quart-temps, on est revenu à 3-4 points de l'adversaire. Et il n'a pas manqué grand-chose ce soir, quand même. Non, il n'a pas manqué grand-chose. Je suis à la fois fier de ce que les joueuses ont réalisé et triste pour elles parce qu'elles ne sont pas récompensées par rapport à leur travail. Mais bon, c'est la Ligue 2, c'est le niveau au-dessus. Et nous, on est promus. Et comme tous les promus, on peine à ce niveau-là. Merci. Le coach l'a dit. Compte tenu des nombreuses blessures dans cette équipe de la baie, il était difficile de faire plus ce soir face à l'adversaire qui n'a pas démérité. Il va falloir se battre jusqu'au bout pour sauver sa peau dans ce championnat de Ligue 2. Encore plus en ce moment quand on sait le calendrier délicat qui les attend. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous.